Allez, maintenant voici la plus ingénue de nos chroniqueurs. Ah ouais. Oh, ah, là, c'est la pureté. Elle est vierge encore. Vous savez. Elle n'en aurait pas douté. Elle s'appelle Camille. Elle s'appelle Camille Chameau. Ah. Ça, c'est un bon nom de d'actrice. Quelle douceur, Michel. C'est. Alors, du coup, personne n'a applaudi aujourd'hui. Ah, salut Camille. Salut Camille. Salut. Alors, cher Grégory Dorcel, vous êtes donc le fils de Marc Dorcel. Bon, bah, j'aurais jamais pensé dire cette phrase un jour. Hein. Merci Michel. Hein. D'ailleurs, j'aurais surtout jamais pensé que si je rencontrais un jour le fils de Marc Dorcel, bah, ce serait grâce à Michel Drucker. Enfin, bref, tout s'embrouille dans ma tête. Hein. Grégory Dorcel, en ce jour de Saint-Valentin, vous venez nous parler du lancement de votre site 100% Dorcel2LE.com. Le premier site de porno au féminin, conçu par des femmes, produit par des femmes, réalisé par des femmes. Vous dites même que les hommes ont été exclus du projet. Enfin, c'est quand même vous qui faites la promo. Petit filou, hein? Et à mon avis, c'est vous aussi qui allez toucher le blé, coquin. L'autre, il dirige l'industrie porno européenne et il veut nous faire croire qu'il est hyper féministe. Dis donc, hein? Bon. Alors, enfin, ceci dit, Greg, merci beaucoup de penser à nous, les filles. C'est très sympa. C'est juste qu'en ce qui me concerne, pardon Grégory, mais je ne regarde pas de porno. J'aime autant laisser aux mecs leurs défauts. Alors, je comprends votre démarche d'égalité des sexes, hein, mais moi, il y a certaines choses dont je ne veux pas. Je ne veux pas prendre la brosse à dents des autres. Hein, voilà. Je ne veux pas aimer le foot. Je veux continuer à laisser les toilettes propres. Hein, voilà. C'est mon choix. Alors, bon, je suis quand même allée sur votre site. Faut se documenter, hein, quand même, c'est notre métier. Ah bon ? D'ailleurs, hier, j'ai eu Mathieu. Bah oui, quand même, j'ai eu Mathieu hier au téléphone, mais il ne pouvait pas me parler, il bossait pour ce matin. Désolée. Hein. Je suis désolée, Camille, mais là, je taffe. Attends deux secondes. Effacer l'historique. Voilà. Enfin, vous savez quoi ? Ce site, c'est une très bonne surprise. Très sympa, dites. On dirait un site de magazine féminin, super design, bonne typo. Juste le titre des paragraphes, c'est pas comment réussir son gazpacho, c'est comment faire une pipe au champagne. Mais c'est tout, hein. À part ça, on n'est pas dépaysés. C'est vrai en plus, hein. C'est véridique, j'ai quand même été voir sur le site. Donc. Alors, bon, Grégory, pour le public qui ne vous connaîtrait pas, vous êtes donc le fils de Marc Dorcel, et moi je me dis que vous avez surtout dû être l'ado le plus cool de France. Je pense à tous ces petits puceaux terrifiés lors de leur première fois. Ne rougis pas, Mathieu, ça t'arrivera à toi aussi. Et je me dis que vous qui saviez déjà ce qu'était un gangbang, mais vous deviez être tellement frais. Puis bon, j'imagine le nombre de mecs qui veulent être invités à ton anif quand t'habites dans le temple du porno. Même pour les filles, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a que les filles très coquines qui viennent. T'économises un temps, ado. Alors à ce sujet d'ailleurs, j'ai lu dans votre bio que soi-disant, seuls vos amis proches savaient ce qu'était votre père. Pardon Grégory de casser un mythe, mais c'est pas vrai, en fait. En fait, tout le monde le savait. Enfin, je vous le dis tout de suite, c'est une info beaucoup trop dingue pour qu'elle reste secrète. Enfin, moi, dans mon collège, par exemple, il y avait le fils de Bernard Ménès, et déjà, ça paraissait dingue. Donc, pour vous dire, vous avez, tout le monde était au courant. Enfin, revenons-en à vous. Malgré tout, vous dites avoir le complexe du fils de, hein, du pistonné. Alors, je vous le dis, Grégory, votre cas n'a rien à voir avec les fils de du cinéma traditionnel, hein, comme on dit chez vous. Déjà, bah, vous ne voulez pas être comédien, hein, ce qui d'ailleurs aurait fait très bizarre à votre père, à mon avis. Et ensuite, contrairement au cinéma traditionnel, toujours, je ne pense pas qu'il y ait des centaines d'autres fils de qui envahissent la profession. Hein. Oui, c'est moins bouché. Enfin, bref, tout ça, vous, la Saint-Valentin, les peluches roses, ça m'a donné envie de vous écrire une chanson romantique. Si t'es fraîche et dispose, écoute ma comptine à l'eau de rose. C'est l'histoire de Greg Dorcel qui se lance dans la dentelle. À la base, c'est un petit gars qui a voulu faire comme papa, faire fructifier un petit business pour des mecs en manque de tendresse. Maintenant, il bosse pour nous les ous qui aiment moins les films de partouze. Enfin, du X élégant qui va nous aller comme un gant. Latex avec fouet assorti, sortez les menottes, c'est parti. Greg, tu dis qu'aujourd'hui, la télé est trop formatée. Emmanuel serait interdit, les valseuses non autorisées. Mais en 80, Splash, ils auraient pas laissé passer. Chaque époque, sa pornographie, nous on voit Jean-Luc Lahaye nager. En tout cas, bon courage pour ta nouvelle activité. Nous on fait passer le message à toutes les auditrices avisées. Pour une Saint-Valentin romantique, Dorcel.com, c'est trop pratique. Bravo! Bravo Camille! Merci Camille! Camille Chanou, à revoir sur Europe 1.fr.